La Télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis, 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo. Tous les mercredis, 7h PM. Sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici ce soir au Café des Copains pour cette énième édition des Mardis de la Philosophie, connue en règle générale sous l'appellation de Café Philo. Ce soir, comme pour tous les autres soirs, donc tous les autres mardis, nous avons un Café Philo qui, pour le coup, est d'actualité. Nous sommes à quelques jours de la commémoration de la fameuse bataille de Vertières, événement sur lequel un livre, il y a 2 ans, je crois, est récemment paru, le livre de l'universitaire professeur Jean-Pierre Le Glonec, le 18 novembre, la bataille de Vertières. C'est donc dans ce contexte précis que ce soir, vous êtes conviés à assister et à participer à ce Café Philo qui promet énormément. Puisque nous sommes extrêmement respectueux de notre format habituel ici à Café Philo, je m'en vais rapidement vous demander de vous mettre debout pour entonner avec nous l'hymne national d'Haïti, la Dessalinière. Un pays pour les ancêtres, après qu'on a entonné l'hymne national d'Haïti, le temps est venu d'écouter, de donner place à une chanson que nous appelons ici à Café Philo, chanson fétiche. Il s'agit d'une chanson sur laquelle les versions sont nombreuses. Nous choisissons pour le coup une version particulière qui est celle de Julio César Barbosa. Vous aurez compris, chers habitués de Café Philo, qu'il s'agit de la fameuse chanson Hasta siempre el comandante Che Guevara. Je vous reviens pour la suite. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
tienes quemando la brisa. Con soles de primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No, 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 seguiremos adelante. No, 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 como junto a ti seguimos. Con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Apprêtons à passer à une autre étape du format de Café Philo. Nous profitons de l'occasion pour saluer l'économiste Edzer Emile qui est dans la salle et qui présente demain au Marriott à partir de 4 heures le livre nouvellement paru qui s'appelle « Haïti a fait le choix de devenir pauvre, les 20 raisons qui le prouvent ». Vous êtes cordialement invités demain au Marriott, donc pour la vente-signature de ce premier livre de l'économiste Edzer Emile. Lorsque je suis modérateur à Café Philo, je mets en règle générale un point d'honneur à attirer l'attention du public sur le fait que, pour nous, l'audiovisuel occupe une place fondamentale dans une probable intellectualité haïtienne. Nous croyons qu'il est important que les jeunes, que les étudiants, que les élèves puissent être en contact avec les idées par le truchement de l'image, par le truchement de l'audiovisuel. Et c'est à ce stade que nous avons cru dès le début et aujourd'hui encore qu'il est une nécessité d'inviter, chaque fois que nous pouvons le faire, chaque fois qu'il y a Café Philo, le public à visionner un extrait, une petite vidéo, un court documentaire qui fait fond sur le sujet du jour, en tout cas qui cadre un peu le propos qui va être discuté. C'est en ce sens que je vous invite à visionner un extrait d'une interview accordée par Jean-Pierre Le Gonec, celui qui a fait le livre qui s'appelle
la bataille de Vertières, le 18 novembre, la bataille de Vertières, la défaite de Napoléon. Cet extrait s'appelle « L'histoire méconnue de la défaite de Napoléon en Haïti ». Suivez et comme c'est nécessaire de le faire à chaque fois, nous vous reviendrons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous en arrivons donc au moment charnière de la tenue d'un café philo, où il est tenu de passer la parole à notre invité. C'est difficile de présenter notre invité de ce soir, tant il a de chapeaux. Il est d'ailleurs arrière-petit-fils du dernier officier signataire de l'acte de l'indépendance, avant Bois-en-Tonnerre. Il s'agit de Pierre de Renoncourt. Il est professeur des universités, il est maître en criminologie, il est avocat, il est licencié en droit, il est ingénieur civil. C'est un grand passionné d'histoire, un patriote convaincu, et c'est surtout un brillant intellectuel avec qui j'ai ces derniers temps le plaisir de discuter et de partager sur un certain nombre de choses. Pourquoi choisissons-nous ce soir de parler de Dessalines et notamment de présenter un Dessalines sous un angle précis, un Dessalines stratège militaire, comme le dirait Maurice Sixto? Pourquoi est-il question de Dessalines dans ce contexte particulier ici à Café Philo? Sinon, pour montrer que cet homme dont le nom était interdit sur tout le territoire jusqu'en 1860, je crois, à l'occasion du fameux discours que Salomon a prononcé à la cathédrale des Cailles, où il commençait à être réhabilité, simplement pour dire que c'est un homme qui continue d'habiter notre imaginaire de peuple, d'habiter notre imaginaire collectif, et avec qui il faut nécessairement penser. Penser Dessalines, réfléchir sur Dessalines, inviter Dessalines ici à Café Philo est forcément un prétexte pour aborder peut-être un aspect inédit qui n'a du tout pas été abordé parmi toutes les études, les thèses de recherche qui ont été entreprises sur Dessalines. La question de la pédagogie chez cet homme. Encore une fois, nous revenons à la question de la stratégie militaire, puisque quand nous parlons de pédagogie de Dessalines à l'occasion de la guerre de l'indépendance, nous ne pouvons ne pas voir automatiquement la stratégie militaire et forcément les sciences de l'éducation, la polémologie, l'ethnologie, la sociologie, la psychologie, et particulièrement en ce qui me concerne, parce que je parle là de quelque chose qui me travaille comme lieu disciplinaire depuis quelque temps, ce que j'appelle donc l'événement biographique. Il va s'agir donc de ce Dessalines que M. Patrice de Renoncourt, professeur, va camper devant vous. Il s'agit d'une conférence qu'il avait prononcée dans un premier temps en 2013 à Orlando, dans une fameuse loge qui s'appelle La Respectable, conférence qui a été mise en texte et publiée dans les colonnes du journal Le Nouvelliste le 11 novembre 2016, l'année dernière, et qui est reprise cette fois-ci devant ce public de Café Philo. J'espère que cela provoquera beaucoup de considération et pourra stimuler, pourquoi ne pas le dire, le débat. Monsieur Patrice de Renoncourt a 30 minutes de présentation et comme vous le savez, après ce sera la pause musique et enfin le débat. Merci de l'applaudir chaleureusement. Bonsoir. Il m'échait de parler d'un homme que je vénère, d'un homme que je considère à l'instar de Jésus, à l'instar de Moïse, comme le père fondateur, comme ce que nous sommes. Si Moïse a fait sortir d'Égypte les Juifs, les Israélites, c'est Dessalines qui a fait sortir de l'esclavage les Noirs du monde. Et quelle que soit la manière dont on le prend, quelle que soit la dimension où on le place, c'est un fait. Et si le reste du monde esclave a pu se libérer de toutes les chaînes de l'esclavage, c'est parce qu'un homme s'est levé différemment des autres. Il a repris à bras-le-corps son combat et il a réussi à construire quelque chose. Certes, c'est un rêve que nous sommes en train de galvauder. C'est un rêve que nous sommes en train d'écarteler. Et ma dernière thèse, et que j'ai partagé avec pas mal de mes amis, c'est que, bien entendu, c'est une thèse en devenir, c'est que depuis 1820, nous avons perdu le mouvement des esclaves pour être passés dans l'ère du mouvement des affranchis.
Et aujourd'hui encore, nous sommes à cette ère. Et c'est dommage. Parce que nous avons une jeunesse mieux formée, mieux armée, mieux apte à comprendre et mieux apte à transformer. Cette jeunesse qui est devant moi et qui est devant la télévision et qui me donne le droit à la parole aujourd'hui, je la remercie. Je remercie la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Radio-Télé-Caraïbes, excusez-moi, pour la retransmission. Et je remercie également les jeunes intellectuels de Café Philo pour le courage et pour la bataille. Aujourd'hui, je vais faire un effort pour parler de la pédagogie de Dessalines lors de la guerre de l'indépendance. Comme l'a dit Ralph, ceci m'avait été commandé par une loge à Orlando et j'avais réalisé ce travail pour eux. Et aujourd'hui, ils m'ont autorisé à le reprendre puisque ça ne m'appartient pas. Ils avaient commandé cette demande, ils m'ont autorisé à le reprendre face à la nation. Pour mieux comprendre la situation controversée dans laquelle va évoluer Dessalines, il faut saisir dans une approche diaconique les différentes pédagogies. On parle de deux types de pédagogie, ou bien la pédagogie est autoritaire, ou bien la pédagogie est libérale. Et pour saisir Dessalines, pour comprendre Dessalines, il faut reprendre ces deux éléments et les classer dans le contexte historique qui va durer de 1794 au 18 novembre 1803. Et moi-même, je me suis posé une question de départ. Je me dis, comment un homme obscur, peu instruit, moins instruit que Charles Belair, moins instruit que Jacques Maurepas, moins instruit qu'Henri Christophe et qu'Alexandre Pétion, va canaliser autour de lui toutes les énergies domingoises et comment il va réaliser quelque chose qui apparaît comme impossible ou irréalisable. Et j'ai tenté une hypothèse. Je me suis dit que le vécu de Jean-Jacques Dessalines comme esclave des jardins sur l'habitation du Clos, avait laissé tellement de cicatrices dans son corps et dans son esprit qu'il avait favorisé l'éclosion dans son âme d'un désir ardent de briser le joug de l'esclavage, tant pour ses frères noirs que pour lui-même. De par ce fait, il devenait le pédagogue par excellence de l'apprentissage de la liberté. Mais qu'est-ce qu'un pédagogue ? Un pédagogue, si on suit le dictionnaire, on nous dira que c'est celui qui est chargé de l'éducation d'un enfant ou d'un jeune homme. Et par extension didactique, on peut dire que c'est un enseignant, un éducateur, un maître. C'est quelqu'un qui a le sens de l'enseignement. Et c'est dans cet ordre d'idées que je vais disséquer le général en chef. Pour comprendre le pédagogue, il y a deux types d'approches qu'il faut saisir. Il faut saisir les approches mécaniques et les approches essentielles. Pour les approches mécaniques, on parle d'approches autoritaires lorsqu'elles s'imposent dogmatiquement et recourent à la contrainte. On parle d'approches libérales quand elle est désintéressée et qu'il y a une interaction entre les différents protagonistes. Et la pédagogie a des typologies essentielles là-dedans. Il y a l'attachement aux autres, le sens des obligations, l'engagement dans les activités conventionnelles, la croyance dans les normes sociales, le sens du sacrifice et la participation à l'érection d'une société au culturisme interactif. Quand on regarde Dessalines, on doit également, dans son approche pédagogique, visiter Grégory Chamba. Et M. Chamba, dans Pédagogie et Révolution, considère qu'il y a deux notions, que ce sont deux notions indissociable, bien qu'asymétrique. Pour pouvoir approcher la pédagogie, il faut avoir reçu un enseignement. On le reconnaît.
Il faut apprendre pour être, pour enseigner. C'est le premier moment de la pédagogie. Ensuite, le pédagogue a un deuxième moment. Il révolutionne. Il change la pensée. Il reconstruit les gens. Et les gens qui reçoivent l'enseignement du pédagogue continuent à faire évoluer la société, à la faire avancer. Donc, tout d'abord, il y a la pédagogie. Ensuite, il y a l'imitation du pédagogue. Ensuite, il y a la révolution, le changement, la métamorphose à partir de ce que vous avez reçu du pédagogue et en fonction de l'espace, du temps, etc. Pour pouvoir parler de la pédagogie de Dessalines, je vais devoir parler tout d'abord de Dessalines et je vais également saisir sa pédagogie lors de la guerre de l'indépendance. Dessalines, Jean-Jacques, naît sur l'habitation Cormier à la Grande Rivière du Nord sur une plantation dite Viecaille, qui est la propriété du colon Noël Henri Duclos. Il y a une controverse sur sa date de naissance. Thomas Madiou le fait naître le 25 juillet 1758, le jour de la Saint-Jacques. Saint-Rémy des Cailles et Richard Pathé offrent pour 1749, mais Victor Jean-Baptiste, Timoléon Brutus, Jules Rosemont s'attendent autour du 20 septembre 1750. Mais de toute manière, on peut comprendre que le colon n'entretenait pas un état civil pour ses esclaves. Donc il y aura toujours des brumes sur toutes les dates de naissance de tous les héros de l'indépendance, particulièrement ceux qui sont nés esclaves. Et l'habitation Cormier avait une particularité, ce n'était pas une sucrerie, c'était une caféière. Et le colon Duclos entretenait une réputation de sanguinaire, de barbare et de maître cruel. C'est pourquoi Jean-Jacques Dessalines avait le dos zébré de coups de fouet. Et Duclos tombe en faillite et il vend Jean-Jacques Dessalines, alors Jean-Jacques Duclos, à un noir, libre, Dessalines qui était charpentier et qui était couvreur. Et Dessalines a à peu près 30 ans. C'est avec Dessalines, son maître, qu'il va apprendre son métier, qu'il va devenir un esclave à talent. Il sera charpentier-couvreur. Et Dessalines, le maître, avait une opinion particulière de Jean-Jacques. Il disait qu'il était appliqué mais rebelle. Et le mot que l'on retrouve chez Timoléon Brutus, chez Jules Rosemont et chez Thomas Madiou, le mot exact, Dessalines, le maître, disait de Jean-Jacques Duclos, Jean-Jacques Dessalines un peu plus tard, c'est un bon ouvrier, mais un mauvais chien. Dessalines va avoir un parcours atypique. On comprendra qu'un bonhomme qui naît esclave, pas esclave à talent comme Toussaint Louverture, mais esclave des champs, esclave des jardins, et qui arrive à devenir le premier empereur du Nouveau Monde, c'est quand même un parcours atypique. Tout d'abord, Dessalines est simple soldat dans les rangs des insurgés commandés par Jean-François et Georges Biassou en 1791. L'année suivante, on le retrouve à faire le coup de feu à côté de Toussaint Brida à la bataille du fort de la Tannerie. Il passe à l'est avec Jean-François Papillon et Georges Biassou qui voulaient profiter de la liberté offerte à tous les esclaves. Et son nom commence à être invoqué réellement par les historiens en 1794 comme lieutenant de Toussaint Louverture avec, bien sûr, Moïse Louverture, André Vernet, Jacques Maurepas, Henri Christophe, Louis-Étienne Gabart, Jean-Pierre Dusmesnil, Bonaventure et Desrouleaux. Isaac Louverture, fils de Toussaint Louverture, écrit que Dessalines fut admis dans la garde de Toussaint Louverture en 1794 sur la recommandation du colonel Bonaventure. Et il participera ensuite, le 18 mai 1794, au revirement de Toussaint. Il est gradé capitaine
en octobre 1794, commandant de régiment et colonel en 1795, général de brigade en 1799, le 30 août 1800 sur l'hôtel de la patrie à Léogane, sous celle ouverture, le fait général de division, et en 1802, il se met à la tête de l'armée indigène et se proclame général en chef. Le 1er janvier 1804, il est gouverneur à vie, et le 8 octobre de la même année, il est sacré empereur. Quel était le visage? Comment était Jean-Jacques Dessalines? Jean-Jacques Dessalines, selon les portraits d'époque, n'était pas de grande taille. Il était solidement charpenté avec des membres musclés qu'il avait acquéris par le travail des champs. Il avait un menton dur, des lèvres charnues, un nez dessiné au scalpel, un visage oblong et de grands favoris. Et lorsqu'on soumet Dessalines à un cas clinique, j'ai demandé à plusieurs psychologues de me parler de Dessalines, parmi lesquels ma sœur Karine de Renoncourt, qui est également psychologue. Et ils m'ont peint un portrait intérieur de l'homme. Il avait une intelligence émotionnelle. D'ailleurs, il y a des tas de phrases qui prouvent qu'il avait une intelligence émotionnelle et qu'il était un grand sentimental. Tout d'abord, je partage avec vous ce que vous connaissez déjà. Les nègres dont les pères sont en Afrique n'auront-ils donc rien? C'est du sentiment, c'est de l'émotion. Et encore du sentiment, après ce que je viens de faire dans le Sud, s'ils ne se révoltent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Donc, il avait une intelligence émotionnelle, il était sentimental. Dessalines était également agressif. Il était très colérique. Il rentrait dans des colères profondes. Le massacre des Français le prouve. Oui, je peux continuer. Il était tatrabilaire, révolté, angoissé. Et ses angoisses le tenaillaient en permanence. Et il avait au fond de lui la mystique de l'indépendance. Et cette mystique, là j'ai été voir autre part, et vous comprendrez où, cette mystique le chevauchait. Et on disait qu'il avait un loi. Et ce loi qui le chevauchait, il tombait en catalepsie, il avait la fièvre, et puis il se mettait à hurler. Parce qu'il était saisi par la fièvre de l'indépendance, ceux qui pratiquent le syncrétisme comprennent ce que ça veut dire chevaucher. Et c'est la structure spirituelle de Dessalines, le karma de Dessalines le guidait, l'animait, le possédait, le surpassait et faisait de l'accélération révolutionnaire une passion vengeresse. Dessalines avait en lui un ananké différent, le même ananké qu'avait Moïse lorsqu'il a fait sortir les Israéliens d'Égypte, le même ananké qu'avait Spartacus lorsqu'il s'est mis à combattre pour libérer les gladiateurs, le même ananké qu'avait Thomas Jefferson, qu'avait Abraham Lincoln, quand ils ont voulu changer le visage de l'Amérique. Dessalines n'est pas différent d'eux, sinon plus grand qu'eux, puisqu'il n'avait rien, il ne possédait rien au départ, il n'avait qu'une idée. Il n'avait qu'un bon vouloir. Maintenant, on va un peu parler de la pédagogie de Dessalines lors de la guerre de l'indépendance. Je me suis inspiré du professeur Maniga pour étudier cette pédagogie à travers l'imaginaire du professeur Maniga quand il met les clichés en perspective. J'ai mis 8 clichés en perspective pour pouvoir comprendre la pédagogie de cet homme. Je l'ai regarder faire avec plusieurs personnages historiques. Et j'espère que cet éclairage sera utile tant à vous ici présents qu'à la nation. Normalement, cet éclairage n'engage que moi. Tout d'abord,
j'ai regardé Dessalines et Toussaint Louverture. J'ai fait un résumé des circonstances et j'ai tenté d'expliquer sa pédagogie avec Toussaint Louverture. C'est à Dessalines que sont confiées les plus sales besognes. C'est lui qui gagne les plus grandes batailles. Il vole de victoire en victoire et il est le bras droit du chef. Il est le bras droit de Toussaint Louverture. Dans sa relation avec Toussaint Louverture, il accepte d'apprendre et de subir les remontrances de son chef. À Léogane, au soir de la guerre du Sud, il s'est fait apostropher par Toussaint qui lui dit que c'est pas ce que je t'avais demandé, alors que dans le fond, on savait que c'était ce que voulait Toussaint. Et il va encore subir les courroux du général en chef du gouverneur de Saint-Domingue, Toussaint, lorsque Toussaint lui demandera de se mettre aux ordres de Leclerc. Il va dans un premier temps refuser. Donc Dessalines est un élève face à Toussaint et c'est Dessalines qui subit la pédagogie de Toussaint. Il se met à l'écoute, il apprend, il est un bon ouvrier, il applique les consignes de Toussaint, mais comme mauvais chien, il fait sa tête quand il est seul. Et puis, un général en campagne n'obéit pas à son chef, depuis quand ça se faisait. Ensuite, j'ai regardé Dessalines et Alexandre Pétion dans la pédagogie de Dessalines vis-à-vis de Pétion. À Petit-Anse, lors de la fameuse entrevue, le général de division Jean-Jacques Dessalines fait lire à l'adjudant général Alexandre Sabès, qui deviendra Pétion plus tard, une correspondance signée du capitaine général Leclerc, lui demandant de prendre toutes les dispositions pour éliminer les généraux mulâtres, Augustin Clairvaux et Alexandre Sabès. Devant cette évidence, Pétion se rallie à Dessalines. Comment je tente d'expliquer? La tactique de Dessalines, en faisant prendre connaissance de la correspondance de Leclerc à Pétion, est de la pédagogie libérale. C'est une pédagogie interactive. Il ne force pas Pétion. Il lui tend la main. Et Pétion, et en lui tendant la main, il lui donne une information vitale. Et en partant, il dit à Pétion, ce que rapporte Madiou, « Tâchez d'éviter les pièges que l'on vous tend. Je pars pour l'Artibonite et bientôt vous entendrez parler de moi. » Je ferai mon devoir, Alexandre. Vous, vous avez à faire le vôtre. Vous voyez la pédagogie? Il n'y a pas de pression. On s'entend. Ensuite, j'ai regardé les rapports de Dessalines, de Charles Leclerc et de Donatien Rochambeau. Sous les ordres de Leclerc, tout d'abord, puis à la mort de Leclerc, de la fièvre jaune, de Rochambeau, on voit un Dessalines soumis, donnant l'impression de vouloir porter un coup fatal aux insurgés, et particulièrement actif dans le désarmement des cultivateurs sur tous les fronts. Mais au fond de Dessalines, il garde sa profession de foi. D'ailleurs, il le dira, « Je me rendrai sans foi, je trahirai sans foi. » Et ensuite, de cette même pédagogie, pendant qu'il fait croire à Rochambeau et à Leclerc dans un premier temps, et à Rochambeau ensuite, qu'il est en train de désarmer, et puis il ramasse les vieux fusils et il conserve les armes modernes pour pouvoir réarmer l'armée indigène. Donc, une tentative d'explication qui est de mon coup, Dessalines est studieux et matois. Son apparente soumission lui ouvre les portes des faiblesses de l'ennemi. Il apprend les tactiques des Français, le déploiement des forces, l'arrivée des contingents, les lieux stratégiques, les ordres de bataille, les faiblesses, les atermoiements. Vous savez l'histoire du cheval de Troie? Dans la Grèce antique, le cheval est à l'intérieur de Troie. Le ver est à l'intérieur du fruit. Et c'est ce qui permettra à Dessalines de porter des coups durs à Rochambeau grâce à la tactique de la guerre totale. Cette tactique sera reprise par Truong Nu Tang au Vietnam et cette tactique de Dessalines, Truong Nu Tang l'a rapportée, fera perdre la face
une deuxième fois à la plus puissante nation du monde. Dessalines avait fait courber la France, qui était la nation la plus puissante et l'armée la plus puissante du monde, et les Vietnamiens font courber les Américains, qui sont encore la nation la plus puissante et la plus guerrière du monde. Et si vous pouvez le consulter sur le net, il s'appelle Truong Nu Tang et son livre est disponible. Maintenant, regardons Dessalines et Charles Belair. C'est un problème qui fait couler beaucoup d'encre, qui pose un ensemble de discussions et qui a permis à certains historiens, tant haïtiens qu'étrangers, d'indexer Dessalines et de lui refuser leur pardon. En fait, Charles Belair, il est général de brigade à 20 ans. Il est instruit, intrépide, fougueux. On le dit, neveu de Toussaint Louverture et son favori. Il avait un caractère entier et il est le premier à reprendre les armes en 1802, suite à l'arrestation de Toussaint Louverture. Il adhère à sa cause, la population de l'Artibonite, s'autoproclamant général en chef des indigènes. Il rallie Jérôme, d'Estrade, La Rose, Sans Souci, Makaya, Mavougou, Val Malheureux et Petit Noël Prieur qui le déclarent leur chef. Et il porte le mouvement insurrectionnel dans les mornes des carreaux jusqu'à l'Arcahaie. Mais face, c'est ma tentative d'explication, face à l'intrépidité de Charles Belair, Dessalines ne pouvait utiliser que la pédagogie autoritaire, en usant de la tactique de la terre brûlée dont il était coutumier. Pour ne pas éveiller les soupçons de Dessalines et de Rochambeau, Dessalines a dû éliminer Charles Belair, et qui était déjà un rival trop tonitruant et trop important. Dessalines et Christophe. Christophe n'aimait pas Dessalines, Dessalines n'aimait pas Christophe. Christophe disait que Dessalines était un béotien, puisque Christophe, il faut le voir, était un homme fin, maniéré, instruit, intrépide et qui parlait quatre langues. Il parlait l'anglais, il revenait de Grenade, il a été à l'auberge Joua où il a parlé français, il parlait espagnol lorsqu'il a suivi Toussaint et il parlait créole. Et contrairement aux autres généraux de la guerre de l'indépendance, c'est le seul général à être cosmopolite, à avoir beaucoup voyagé. Il a fait la Grenade, il a été à Savannah et il a fait la partie de l'est de l'île de Saint-Domingue. Donc, il voyait plus clair. Et dans sa clarté, il disait que confier la nouvelle nation à Dessalines serait une catastrophe. Et il disait attendre son heure. Pourtant, il fut l'un des premiers, il ne s'aimait pas, il fut l'un des premiers dirigeants à avoir accepté le commandement de Dessalines. Et dans ma tentative d'explication, je dis que malgré tout ce que Leclerc et Rochambeau ont fait pour quereller Dessalines et Christophe, ils ne l'ont jamais fait parce qu'ils avaient une vision. Ils avaient la même flamme à l'intérieur d'eux. Et des deux côtés, ils appliquaient l'un vis-à-vis de l'autre la pédagogie alternative. Voyons maintenant Dessalines et les Congos. Encore une histoire qui fait beaucoup couler beaucoup d'encre. Il y avait l'amour d'Hérance qui s'autoproclame général des insurgés à la mort de Charles Belair. Jean-Baptiste Sans Souci et son lieutenant Petit Noël Prieur, commandant en chef et en second du Nord. Jean-Joseph Laplume qui se soumet à Leclerc et Sylla qui se fait roi de Plaisance. Vous voyez, il y a une désagrégation dans le mouvement. Dessalines devait agréger. Et pour agréger, il va faire des tas de choses. Il fait arrêter l'amour d'Hérance par Guerrier, et Guerrier qui va devenir le président de la République, et le jette en cachot à Marchand où il décède. Et Sans Souci est attiré dans un piège par Christophe dans une embuscade à Grand Prix. Et il décède. Petit Noël Prieur rentre dans l'armée indigène, se fait incorporer, mais Dessalines le fusille après le massacre des Français. Ils refusaient tous de se soumettre à l'autorité de Dessalines. Et il fallait une unité comme pièce maîtresse
du mouvement qui allait se jouer. Et Dessalines ne pouvait faire autrement. Il fait appel à la pédagogie autoritaire, il soumet ou il élimine. Maintenant, Dessalines et l'armée indigène, la fameuse phrase qu'il avait prononcée à la crête à Pierrot, donne le ton. Je ne veux garder avec moi que des braves. Nous serons attaqués ce matin. Que ceux qui veulent redevenir esclaves des Français sortent du fort. Et que se rangent autour de moi ceux qui veulent mourir en hommes libres. Ceux de la 4e, de la 14e, de la 9e, de la 18e, de la 24e demi-brigade, indisciplinés, suivaient Dessalines à la lettre. Et je vous invite à lire chez Madiou et chez Beaubrun-Ardouin le mouvement quand ils sont partis de leur cahier pour comprendre qu'avec leur besace, ils avaient une besace et ils avaient de la nourriture. Ils avaient une calebasse avec de l'eau, certains allaient pieds nus avec des machettes. Vous comprenez comment ils adoraient, ils admiraient cet homme pour le suivre sous la mitraille en chantant « Brunadier à la sauce à qui mourir à Ferraillot ». Regardons maintenant Dessalines face à Jean-Jacques Duclos. C'est un autre exercice que je me suis permis de faire. J'ai regardé Jean-Jacques Dessalines, le général, à Jean-Jacques Duclos, l'homme. La bête de Somme avait subi 30 années d'esclavage dans les caféières et il avait été marqué au fer rouge. Il avait été étampé comme un animal. Il avait le dos zébré de coups de verge. Il n'avait souvenance que de violence physique. Alors, Jean-Jacques Dessalines s'est mis à haïr l'injustice. Et j'ai emprunté à Léopold Sédar Senghor dans Chaka Zulu, et le dialogue entre Chaka Zulu et la voix blanche dans Éthiopie, qui traduit ce que moi je ressens. Et la voix blanche dit, je change les noms, à Dessalines, tu avoues donc Jean-Jacques Duclos. Avoueras-tu ces milliers d'hommes exterminés, des régiments entiers de femmes lourdes et des enfants de lait, toi le grand pourvoyeur des vautours et des hyènes, le poète du vallon de la mort, on cherchait un guerrier, tu ne fus qu'un boucher. Et Duclos, qui est devenu Dessalines, de répondre avec les mots de Chaka Zulu, je n'ai haï que l'oppression, ce n'est pas haïr que d'aimer son peuple. Je dis qu'il n'est pas de paix armée, de paix sous l'oppression, de fraternité sans égalité. J'ai voulu tous les hommes frères. Dessalines était humaniste et missionnaire et il en a payé le prix. Les conditions de l'action de Dessalines, de l'action politique chez Dessalines, se retrouvent donc dans la naïveté de Toussaint, dans le sale métier de la guerre, puisque on doit appliquer les lois martiales. On doit détruire l'ennemi. N'oubliez pas, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on fasse, le blanc, il nous mettait à l'intérieur de chaudières, de cannes à sucre bouillantes. Il nous enterrait et il mettait au-dessus de nous du sirop. Il nous coupait les bras. Il violait nos femmes. Il battait nos enfants. Il torturait et ceci a duré jusqu'en 1950 aux États-Unis. Et pourquoi Dessalines aurait-il eu pitié de gens qui ne le considéraient comme rien? Même lorsque vous allez derrière un cheval et que vous frappez ce cheval, qu'est-ce qu'il fait? Un cheval, on disait que nous étions des bêtes de somme. Vous allez derrière un cheval et vous le frappez, essayez de le faire. Il vous donne un méchant coup de pied. Donc pourquoi Dessalines ne donnerait pas un méchant coup de pied s'il était un cheval à ceux qui sont derrière lui? Vous allez emmerder un chien, qu'est-ce qu'il fait? Il vous mord. Donc nous étions dans une situation pire que la situation des chiens, pire que la situation des chevaux. Nous étions des bêtes. Et pourquoi Dessalines? Pour rétablir la situation hantée, la situation quand nous bâtissions les pyramides d'Égypte, quand nous faisions les civilisations, quand nous inventions la roue, pourquoi? Pour rebâtir ceci, pour reconstruire ce rêve. Il ne ferait pas tout ce qui était en son possible. Il a pris la sophistique comme arme politique. Dans la situation où il était, il devait des fois se cacher, donner l'impression. Il ne pouvait pas être le brave en permanence. S'il était le brave en permanence, qui hurlait,
qui disait à Rochambeau son déni et sa haine, il ne serait pas parvenu à cette fin. Et pour terminer, j'ai parlé de la soif de Kouyaté qui dégénère, et la soif de liberté qui dégénère en Kouyaté. Maintenant, on est arrivé aux grandes questions et elles doivent être posées. La jeunesse doit poser ces questions. Les universitaires doivent poser ces questions. Les intellectuels doivent poser ces questions. La finalité justifie-t-elle l'action? La terreur doit-elle répondre à la terreur? L'injustice doit-elle être détruite par une injustice plus grande? Bon, seuls ceux qui ont subi de grandes injustices pourraient y répondre. Et quelle est la plus grande injustice que celle qu'a connue les nègres de Saint-Domingue et de Salines? Naître avec la peine maximum, naître en prison pour n'avoir qu'une couleur de peau différente. Moi, je dis merci à Papa de Salines qui demeure toujours vivant dans ce que nous sommes. En conclusion, j'ai fait appel à Martin Heidegger et à Derrida. Déconstruire pour reconstruire, c'est ce que nous propose le philosophe Martin Heidegger dans Contribution à la question de l'être. Ce mode de réflexion et de raisonnement est repris et réactualisé par Jacques Derrida et permet de revisiter la pédagogie de Dessalines lors de la guerre de l'indépendance en s'écartant des prénotions imposées par les Occidentaux. Il faut, dans certaines circonstances, rejeter les systèmes binaires d'opposition faisant référence au bien d'un côté ou au mal d'un côté dans une perception purement manichéenne. Il faut les remplacer par un renversement, puis par une neutralisation des concepts. Et dans ce modèle, c'est le sensible et l'intelligible qui doivent répondre aux questions. Et ce sont les sources d'inspiration de l'homme nouveau, de l'homme qui se refait. Les actes posés par l'empereur, par l'esclave devenu empereur, participent à cette mystique karmique où le mal pour aboutir au bien s'explique dans le devenir et la finalité de l'être. L'homme noir, déconstruit pendant 6 siècles par l'homme blanc, défiguré par 300 ans de servitude, se questionne sur son état. Et c'est ce qui m'a valu d'ailleurs cette invitation de la part des jeunes bourgeons de Café Philo qui éclairent le présent et construisent l'avenir. Et ceci, ils le font loin de toutes les mascarades des charlatans, tant de la politique que de l'économique, des nouveaux petits Noël prieurs, des nouveaux Jean-Baptiste Conzé qui tentent sans succès de vendre cette terre sacrée aux plus offrants. Chaque homme, je le vous dis, de ma foi, chaque homme, quelle que soit la couleur de sa peau, a le devoir de se débarrasser de l'envoûtement maléfique des entités pernicieuses qui le retiennent en servitude. Dessalines, comme modèle universel, renverse le concept d'asservissement en se servant de son antonyme à travers une nouvelle représentation que je symbolise de salutaire. Et c'est à quoi vous devez vous atteler, mes frères, mes camarades, mes amis, mes concitoyens. C'est à quoi vous devez vous atteler pour servir ce pays. Merci, Papa Dessalines. Je vous remercie. Après tout ce que vous venez d'entendre du professeur Patrice de Renoncourt, s'il ne fait pas l'objet d'une salve d'applaudissements, c'est que ce Café Philo n'a pas eu lieu. Comme je l'annonçais, en anticipant un peu, comme je le laissais supposer, donc, Patrice a fait la démonstration de ce que l'on appelait dans le temps, dans les médias, d'un bouillon de culture. Il a mobilisé la psychologie, la philosophie, la sociologie, l'ethnologie, la stratégie militaire, et tout le reste, tout ça au service d'une cause, en soutenant une simple thèse qui est peut-être inédite, mais qui pourra inspirer d'autres jeunes, d'autres chercheurs. La pédagogie de l'action militaire de Dessalines
dans le contexte de la guerre de l'indépendance. Il y aurait beaucoup à dire, et en particulier de philosophique. J'ai envie même de dire, si nous nous reportons à la conclusion de Patrice, qu'il s'agit là d'une lecture de philosophie de l'action politique ou, si vous voulez, de l'action militaire, étant entendu que ces deux types d'actions sont toujours liés. Et peut-être qu'avec Dessalines, c'est une certaine lecture sur Haïti que porte quelqu'un comme Deborah Jensen, qui a fait au moins 3 livres sur Dessalines, que peut-être même avec cette lecture, au moins nous savons une chose, en attendant d'en connaître d'autres. Comment être philosophe haïtien du lieu de la phénoménologie de l'histoire haïtienne. En d'autres termes, comment, parce qu'on est philosophe, réinventer l'histoire en s'inspirant de l'aventure dessalinienne. Après autant de beaux mots, on ne peut espérer qu'une chose. Inviter Alain Badiou, qui nous dit qu'après tout, tout ceci n'aura été qu'un désir de révolte. Vous savez que Badiou définit le philosophe comme quelqu'un chez qui il y a une propension, une forte propension à se révolter. Dans un pays où agit de façon extensive et incompréhensible la société du spectacle, où se met en mouvement chaque jour la société du spectacle, il est bon d'écouter et de pouvoir discuter avec le professeur de Renoncourt. Nous invitons donc M. Luc Merville qui nous propose une chanson magnifique. Revenons, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, à la charge du rhinocéros. Nous en sommes maintenant au moment le plus important, si on peut dire, à Café Philo, où il va être question de discuter, d'échanger avec l'invité et en même temps de faire des commentaires. Tout cela se fait comme d'habitude dans le respect réciproque. Je veux dire simplement qu'il s'agira pour ceux-là qui vont poser des questions de le faire dans les normes en vigueur ici à Café Philo, autant pour l'intervenant. Les gens que je vais appeler vont s'exécuter rapidement. Vous aurez droit chacun à une seule question. J'appelle tout de suite M. Yves Lafortune, Claude Bernard Jean-Marie, Marc Evans Lebrun, Seyd Jacques-Jules Aberlado et Vladimir Eli. Comment ne pas être trop long? Mais je dirais à Patrice qui m'a inculqué Christophe, qui m'a appris Toussaint, au professeur, je n'ai osé rien dire, mais à l'ami, j'avais tenté de parler des Salines. Il ne m'a rien dit. Aujourd'hui, cher Patrice de Renoncourt, merci de me faire comprendre que j'étais dans la pédagogie. Je veux un acte fondateur à partir du Pont Rouge. Je plaide pour camper ce lieu et sortir l'empereur de la boue. Dans mon dernier article au journal Le Nouvelliste, je me suis même inscrit dans la caravane comme si, ou dans l'espoir que cette dernière partirait du Pont Rouge dans la perspective d'un développement intégré pour Haïti. Je veux croire que je peux le faire avec vous. Mais là, ce soir, à partir de vos leçons, je dis bien vos leçons, est-ce qu'il y a une pédagogie qui nous permettrait seulement, à partir d'un acte fondateur, de sortir l'empereur de la boue? Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir professeur de Renoncourt, cher modérateur. Monsieur de Renoncourt, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt du début à la fin. L'intellectuel de grand calibre que vous êtes, reconnu par vos pairs et par la société malgré votre grande humilité, que vous semble le rétablissement de l'armée tel claironné par les tenants du pouvoir actuel? Et seriez-vous prêt à enseigner dans l'actuelle académie de police malgré toutes les controverses que l'on connaît? Moi, je dis bonsoir avec l'assistant et moi, je dis bonsoir avec l'intervenant. Et question m'a posé, c'est par rapport avec un article que moi lis sur Dessalines, qui est écrit par Jacques Casimir. Et côté que généralement dans l'école, yo dit que Dessalines bat connu. Vous parlez de Jean Casimir? Non, Jacques Casimir. OK. Oui, Jacques Casimir, il écrit un texte qui c'est une autre vision de Dessalines parce que dans l'école, yo généralement yo toujours présenté Dessalines qui pas connu lit, yo bourreau tout ça.
Maintenant, dans l'optique, ça, puisque moi, c'est un monde qui plus ou moins en fait, c'est un paquet d'idées sous Dessalines et comme si essayer déconstruire ça que construit de Dessalines, d'un salier. Est-ce que c'est réellement que Dessalines était contre livrement? Est-ce que l'idée ça sont idées qui valables que nous capables prendre et puis nous capables combattre pour nous capables dire, je veux dire pour nous capables construire l'autre Dessalines que ça que au banou l'école là ou encore que ça au vend nous. Ok, bonsoir, bonsoir et professeur, bonsoir et modérateur là. Moi, une question que je me poser, est-ce que par rapport à toute lutte ça au Dessalines mené pour nous arriver à nous libres et l'en tenu compte de l'esclavage mental là qui toujours a perduré en Haïti, est-ce que nous pas penser plus gros mal que Dessalines fait, c'est que il pas tuer toute blanche qui existait sous sol là. Merci. Je suis pris entre plusieurs feux. C'est sous la mitraille que je suis. Je n'ai pas une compétence, la compétence que l'on me donne. Je ne suis devenu historien que par passion. Mais je vais quand même essayer de répondre aux différentes questions des différents intervenants. Tout d'abord, sortir Dessalines de la boue, c'est ce que a proposé Yves Lafortune. Mais Dessalines n'est pas dans la boue, c'est le peuple qui est dans la boue. Dessalines est là où il est. On ne sortira pas Dessalines de la boue si nous ne sortons pas de la boue. C'est un mouvement collectif. Ce n'est pas de refaire un monument qui sortira Dessalines de la boue. C'est la vision de Dessalines qu'il faut sortir de la boue. Vision qui a été occultée en 1820 avec la mort de Christophe. Il faut reprendre les valeurs dessaliniennes. Il faut reprendre les rêves dessaliniens pour le sortir de la boue. Il faut que les fils des nègres qui sont en Afrique, qui sont revenus d'Afrique, puissent participer au gâteau qu'il a créé, puissent manger de la manne qu'il a laissée. C'est dès lors qu'on pourra sortir Dessalines de la boue. Mais ce n'est pas en rebaptisant un monument, en asphaltant une route, en créant une espèce de stèle qu'on sortira Dessalines de la boue. Non, Dessalines est dans le cœur de tous. Dessalines est dans le combat de tous. Et le jour où nous sortirons de la boue, tant dans nos vies que dans nos cœurs, c'est, le mouvement se fera tout bonnement. On verra Dessalines dans toute sa dimension plénière. Je ne crois pas que le problème se pose. C'est le droit de quelqu'un de croire que ça se pose dans une caravane ou dans une stèle. Mais moi, je n'y crois pas. Je crois dans le devenir d'un peuple. Pour Claude Bernard Jean-Marie, il parle de rétablissement de l'armée. Je suis pour le rétablissement de l'armée. C'est drôle, je suis pour le rétablissement de l'armée, nonobstant de celui qui le rétablit. Maintenant, le reste, ce n'est pas de regarder celui qui le rétablit, mais c'est de savoir quelle armée nous voulons. C'est nous qui devons construire l'armée. Ce n'est pas Jovenel Moïse ou X ou Y qui doit construire l'armée. Nous devons avoir une armée, puisque à regarder nos frontières avec la République dominicaine, les insultes que nous prenons, c'est parce que nous n'avons pas une force de combat qui est suffisamment préparée. Mais maintenant, quelle armée? Comment faire l'armée? Et ceci, ce n'est pas une décision qui doit appartenir à un homme. Un homme peut le mener, qu'il soit moi-même, qu'il soit Jacques. C'est une décision qui vous appartient, l'armée que nous voulons, la force armée que nous voulons. Et la deuxième approche, c'est est-ce que je suis prêt à enseigner à l'académie militaire? J'essaie déjà, je prête mes services à l'académie de police. Je prêterai mes services dans tous les endroits où je verrai des jeunes. Dès que je verrai un jeune en train d'apprendre, capable de recevoir mon enseignement et par mon enseignement de changer une virgule dans le devenir de cette nation, je dirai présent. Je suis pédagogue par nature et je suis patriote par conviction. Dans toutes circonstances, dès qu'il y aura un jeune qui représente le devenir de cette nation, moi je répondrai présent. Quelle que soit la personne qui dirige, quelle que soit la manière dont on se dirige. Parce que moi, je crois que tout comme chacun de vous, nous pouvons apporter une pierre dans le changement de cette nation. Et ce n'est pas seulement en critiquant que nous apporterons la pierre, mais c'est en nous engageant.
tout comme Dessalines a fait le cheval de Troie, des fois vous êtes obligé de rentrer dans le fruit pour pouvoir transformer l'intérieur ou pour pouvoir le détruire. Séide, c'est ça? Non, la troisième question. Si Dessalines savait lire, c'est ça? Dessalines, est-ce qu'il savait lire? Mais c'est important. Le mythe devient plus important que l'homme. Si aujourd'hui on ajoute aux casquettes de Dessalines le mythe de savoir lire, moi je le reçois avec passion. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui m'a été, je crois que je l'ai lue dans un livre. Et Menahem Golan et Yoram Globus, qui étaient les maîtres à l'époque du cinéma américain et d'Hollywood, avaient décidé de faire un film sur Martin Luther King en racontant toutes les frasques de Martin Luther King, assurément pour détruire le personnage. Et ces messieurs de Black Panther, je crois que Stokely Carmichael est allé le voir, est allé voir Menahem Golan et Yoram Globus. Il a regardé les studios. Il a demandé à Yoram et Menahem Golan et à Yoram Globus combien de temps faudrait-il pour effacer ça? Et Globus de répondre à Stokely Carmichael, mais vous n'aimez pas et vous n'êtes pas dans le, vous n'avez pas suivi le même parcours que Martin Luther King. Au contraire, vous étiez en opposition avec Martin Luther King. Et puis il a dit à Menahem Golan et à Yoram Globus, quel que soit le problème, premièrement c'est un noir comme moi, et deuxièmement on ne tue pas les mythes. Eh bien, c'est la même réponse. Si on apporte de l'eau au moulin du mythe, moi, Patrice de Renaucourt, je le reçois et je m'en sers pour pouvoir construire une idée autour de Dessalines. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais je sais qu'à partir de maintenant, il y a un problème de plus, ou plutôt, il y a une idée qui s'est attachée à Dessalines, et moi, je m'adhère à toute idée positive qui s'attache à Dessalines. Dessalines tuait tous les Blancs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les Blancs qui sont le problème? Je ne vais pas répondre. Ça créerait beaucoup trop de problèmes et de confusion. Mais posez-vous la bonne question. Est-ce que ce sont les Blancs qui sont le problème actuel qui empêche le développement de ce pays? On passe à l'autre série de questions. Merci Patrice de Renaucourt. Merci Patrice de Renaucourt. À présent, nous passons à la deuxième et dernière série de questions. Nous appelons pour ce faire, respectivement, Armand Joseph Jules, Henri Robert Jean, Edvance Vertil et enfin Marie Muriel Mornay. Merci. Je salue conférencier. Mais ça m'a dit c'est que conférencier a envie intéressant, mais par contre, il va pas être les outils. Pour le temps intéressé moun plus parce qu'il parle avec haïtien l'a parlé. Normalement l'on parle de Dessalines, faut pas prendre Dessalines comme si comme ça faut poser dans situation coloniale la France qui débarque et l'Europe ou bien d'Arazi l'Occident dans projet colonialiste li envahi pays en 1492 avec Christophe Colomb. On y a là bataille commencé là même l'histoire moun yo vinn essayer mettre sous nous. Nous pas accepter le débat avec Kaona, Boana Kaona, Kotubanama, tout le monde, tout chef Kasik Sayo, qui vient tomber dans tout le monde qui connaît, qui résiste dans le pays pour arriver dans Dessalines. Lors de Dessalines, ou dit voix peuple haïtien. Parce que les Dessalines choisissent non. L'armée indigène, l'armée des Incas, l'armée du soleil, et puis il vient tomber dans l'armée indigène. Ça veut dire qu'il prend toute bataille qui commençait. Depuis que Christophe Colomb posait pied sous terre pour arriver en 1791, côté nous allons sémenter, dit nous pas vivre sous domination en quelle espèce de blanc colon qui gagne un projet pour anéantir monde sous terre ça là. Donc Dessalines c'est comme ça question à poser. Pas essayer comparer Dessalines à quel personnage fictif dans l'esprit monde dans roman tant que Jésus. Pas essayer comparer de ça, il y a un personnage fictif roman
tant que Jésus, tant que Moïse, cap débat. Ça est roman dans la Bible, dans un livre dans la Bible ou aplio. De Saline, c'est l'histoire peuple, c'est voix peuple haïtien en révolte li. Et l'or de Saline, mon a dit pour ça de Saline pas tuer. De Saline pas contre tuer moun. De Saline c'est libérer, libérer. De Saline dit ça me saute fait là, c'est tribu peuple haïtien te bam fait et m'vin la gueule dans main nous. Faut nous jaloux pour lui, faut nous goumer pour lui, faut pas quitter moun retirer la main nous. Et moun yo retire ap wesi a retirer la main nous chaque jour là que on pas capable faire parce que depuis 14 août 1791 nous prend bout de terre ça. La France met fait salve, les États-Unis met fait salve. Tout côté, tout colon met fait salve. Papier te ça nous prend nous signe, nous signe l'accent nous. Donc pas poser de ça dans lui-même. De ça une bon soldat, de ça une pas seulement. De ça c'est peuple haïtien qui incarne qui allié nel dans yon moun. C'est bon okay. Dieu monsieur. Donc tout bagarre va parler mettez dans la vie peuple haïtien. Et peuple haïtien qui problème la vivre là journée jodi là. Soit où moun va parler, c'est problème peuple haïtien va poser. Donc c'est pas un moun, pas mettre l'isolé, il va isoler, il va Moïse, il va Jésus. Merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur Patrice Adeonanko, bonsoir Ralph. Professeur, moi content du fait que dans le début intervention là on montrait comment initié qui a vécu aux États-Unis ont intéressé à histoire nous comme peuple. Nous t'a souhaité que initié qui en Haïti yo, yo t'a emboîté le pas à monsieur Sayo. Non pas pour prendre histoire nous comme chronologie, mais pour une philosophie de notre histoire, de peuple. Et ou essayer un petit genre sacralisé de Saline. Je pense que ce n'est pas mauvais. Tout à l'heure, tu parlé, tu as comparé à Moïse. Alors, Moïse prépare le peuple là, mais il n'est pas rentré dans la terre promise. C'est Josué qui entre plutôt. C'est tout simple qui a mis dans la logique Moïse. De Saline lui-même, l'entrée lui-même, l'arrivée fait le bagage là. Alors, comme on parle de pédagogie, son nouveau souffle. Monsieur qui a pensé l'histoire d'Haïti, mais le problème c'est pour qui ça de Saline utiliser pédagogie ça pour nous arriver à une bataille d'indépendance. Deux ans après, et même pédagogie ça nous pas renforcé pour être capable de continuer à atterrir révolution pour te déclencher et libération totale d'Haïti. Est-ce que c'est perdu le sens sacré ça ou bien est-ce que c'est et trop entrave que le déjoint ou bien moun qui te collaborateur yo partenaire dynamique ça et si oui est-ce que ou même son nouvelle dynamique qu'on besoin insuffler dans la manière d'enseigner l'histoire est-ce qu'on a réinventé histoire et mystique si c'est ça faut dire nous dire carrément merci. Merci d'accord professeur nous remercions pour intervention non même question que m'a posé est-ce que à moun ou pour de Saline j'en remets de Saline, même s'il méritait le vrai. Est-ce que amour ça pas un obstacle qui a empêché de comprendre la vie politique de Saline, qui a empêché de comprendre le personnage là? Ensuite, est-ce que dans la gouvernance de Saline, est-ce que dans la gouvernance de Saline, parce que de Saline c'est le premier président pays, est-ce que de Saline tout pas quitté quelques erreurs qu'il a payées, je vous dis à tout. Merci. Même s'il remet. Merci. Merci. Alors, moi-même, j'ai une question qui, en fait, qui a deux volets là-dedans. Premièrement, j'ai besoin qu'on ait, journée aujourd'hui, hein, comment nous avons expliqué un petit monde 10 ans et parti qui dit couper tête boule là. Comment nous avons compris, fait le comprendre pour que le cas resservi avec après. Parce que nous avons une vision négative de couper tête boule là. Deuxième bagage, hein, dans la politique de Saline, j'ai une vision de gagner pour et arranger et bagayo est-ce que de Saline lui-même t'a gagné chance ou bien t'a gagné temps pour te garder rapport femme garçon en dans nouvelle en fait nouvelle communauté que devine gagner j'ai bien aimé la façon dont Armand a abordé le problème il l'a abordé avec sa hargne tout ce qu'il ressent. Et c'est peut-être ce qu'il nous faut aujourd'hui. Mais je dois dire à Armand que l'exercice de changer la pensée des autres, c'est un exercice de déconstruction. On ne déconstruit pas sur le néant. On déconstruit à partir de modèles. Il faut modéliser pour déconstruire. On ne peut pas
isolé des salines, des réalités mondiales, tant des mythes que des faits. Je ne peux pas prendre des salines et l'isoler et hurler des salines, des salines. Je dois regarder tous les personnages qui servent de référent aux populations, qui servent de référent aux gens. Et l'une des personnes les plus connues, qu'il soit mythique ou réel, qui sert de référent en matière de liberté, reste et demeure Moïse. Maintenant, le contexte. Le contexte du choix m'appartient. Et un autre chercheur aurait fait un autre choix. Et le contexte du choix, il m'appartient et je n'ai pas à le définir. Je n'ai pas à le justifier. Maintenant, si dans une discussion pédagogique, vous approchez mon choix à partir de vos propres référents ou bien à partir d'une idée académique, là je suis prêt à discuter. Mais si vous approchez le choix avec le sentiment, ce n'est pas une discussion, c'est une position. Ça, c'est la première réponse. Henri, oui, et nous devons déplacer des salines du fait réel pour le rentrer à l'intérieur des espaces d'initiation. Parce que les héros dans presque toutes les sociétés sont devenus épiques. Lorsqu'on m'a invité à Orlando pour prendre la parole, bien entendu, j'ai été payé, c'est pour ça, pour rentrer le personnage à l'intérieur du mythe et du mystique. Et il est du devoir des initiés de le faire. Je ne parle pas seulement des initiés rosicriciens ou maçons, je parle des initiés de toutes les disciplines, particulièrement des disciplines du vaudou. Il faut pouvoir réapproprier des salines, comprendre des salines, et on n'aura jamais fini de parler de des salines. Le bonhomme est trop extraordinaire, le bonhomme est trop volumineux. Chacun des gestes du bonhomme apprend, construit ou déconstruit quelque chose. Et Evans, est-ce que notre amour pour des salines ne serait pas un obstacle pour nous empêcher de comprendre des salines? Ça va dans les deux sens. Notre amour pour des salines peut, pour certains, ou bien dans une certaine situation, être un obstacle, parce que nous pouvons le déifier sans l'étudier. Mais ça peut aller dans l'autre sens aussi. Nous pouvons tellement aimer Dessalines que nous le décortiquons de manière minutieuse. Que l'on prenne Dessalines, on est amoureux de Dessalines, jusqu'à en faire un mythe et à créer autour de lui des idées extraordinaires sans les expliciter, c'est bon. Tout comme quand on prend Dessalines, on distille des salines et on découvre le personnage, dans le personnage, une justification et une grandeur, c'est bon. Les deux écoles se valent. Gaël, comment expliquer couper tête Boulekaï? Écoutez, là je vais, elle a parlé créole, permettez que je réponde en créole aussi. Elle dit, elle m'a regardé. Petite, mais ça y a regardé dans la télévision, ça y a regardé dans le téléphone. Je ne sais pas si on coupe tête Boulekala, expliquez. Déjà, le pernicieux, si on doit regarder le pernicieux nous a déjà envahi et nous n'avons pas empêché au pernicieux d'arriver jusqu'à nous. Des choses encore plus vilaines, plus vulgaires, plus dangereuses ou plus sales que couper tête Boulekaï sont enseignées à nos enfants par la télévision, sont enseignées à nos enfants par le net, par les nouvelles technologies de l'information. Donc je ne vois pas où est le problème pour expliquer à mon fils, à mon petit-fils, que je suis né à partir d'une idée, à partir d'un slogan, et que seul ce slogan te permet aujourd'hui d'être médecin ou d'être ingénieur. Je ne vois pas pourquoi j'aurais peur ou j'aurais honte de l'expliquer. Moi, je suis pour cette explication dès que l'enfant est en âge de comprendre. Et pour la dernière question, la vision de Dessalines pour les rapports entre les femmes et les hommes. Bon, là, moi-même, je n'ai pas... Ce que je sais de Dessalines en matière de vision des femmes et des hommes, c'est très peu. Et je ne vais pas m'aventurer à répondre à quelque chose sur lequel je n'ai pas fait de recherche.
je me promets à moi-même de scruter des salines de ces rapports avec les femmes. Parce que je n'ai rien sur ça et je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Je vous remercie. Nous disons donc merci au professeur Patrice de Renoncourt. Merci d'être venu et d'avoir fait le choix de partager avec le beau public de Café Philo. Je pense que c'est un Café Philo qui fera date, qui continuera à nous inspirer. Et permettez que je profite de l'occasion pour vous annoncer que dans 2 semaines, à Café Philo, nous aurons un ensemble d'activités que nous inscrirons sous un concept précis en termes événementiels qui s'appellera la Nuit de la Philosophie. Dans 2 semaines, nous aurons un ensemble d'activités qui seront réparties sur plusieurs sites et de façon simultanée. Il s'agira par exemple de Araka, de l'École normale supérieure, d'ici au Café des copains et de bien d'autres endroits. D'ici la semaine prochaine, vous aurez l'agenda et comme ça, vous serez au courant de ce que nous entendons faire. Ça entre évidemment aussi dans le cadre de la célébration pendant longtemps interrompue en Haïti de la Journée internationale de philosophie qui est célébrée à l'UNESCO depuis 2005 officiellement. À tout ce que Patrice de Renoncourt vient de parler et sur tout ce qu'il vient de dire, je ne peux penser qu'à une phrase, une petite phrase de Louis-Joseph Janvier que beaucoup d'intellectuels en Haïti ont aimé. Aimer ce pays de furieux amours. Merci pour ce beau café philo et à très vite. C'est un seul père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni sa café plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est on est l'autre, c'est on dans l'autre. Mais la toute bitin brûlé. Non fin calculé, faut yo apprendre peser. Ce qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilié, j'apprends ton espéré. Haïti chez